Le dimanche, de grand matin, les femmes se rendirent au tombeau. En apportant des huiles parfumées qu'elles avaient préparées, elles découvrirent que la pierre fermant le tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser. Lorsque deux hommes, aux vêtements brillants, leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ?»« Celui qui est vivant. »« Il n'est pas ici. » »« Mais il est ressuscité. » Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. « Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs. »« Qu'il soit crucifié. » »« Et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau. Et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Et les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres.